Non, mais pour qui tu te prends? Pour du velours? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Alors, dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous apprendre aussi aujourd'hui ma délicieuse recette du pâté de paysagiste en croûte. Miam! Ah non, bah beurre, que non! Mais évidemment, miam! Mais bien sûr! Alors, tout de suite, saisissez-vous d'un paysagiste de sexe non masculin. Madame Danse! Bonjour, Madame Arcadet. Oui, pense. Alors, comment vont vos boutures? Mais de mieux en mieux, je perce de temps à autre, un peu comme ceci. Mais non, c'est pas des boutons, c'est des boutures. Comment vous expliquer? C'est un type de greffe. Bah évidemment que c'est un type, Alain de Greffe. Enfin, c'est notre direct, si c'était une femme, il s'appelait Alain de Greffe. Excusez-moi, je suis le voisin dessus. Je suis allergique aux jeux de mots. Ça me donne envie de me flinguer, alors t'arrêtes maintenant. Et toi, continue, fasciste. Et vous, ferme ta gueule. Je parle pas. Taisez-toi, Madame Donce. Je vais vous décrire. Alors, comme vous le constatez, Madame Donce obsède d'un physique et en même temps, plus je vous regarde, j'ai envie de vous décrire. Donc, c'est vrai, j'ai trop les belles choses. Bien, alors allongez-vous par là, Madame Michel. Je vais vous cuisiner. Alors, quand vous n'ayez pas de paysagiste sous la main, vous pouvez toujours cuisiner un moine tibétain ou un glavio. Mais je vous conseille le paysagiste dont l'odeur évoque le pâté. Bien, alors saisissez-vous tout de suite de foie de volaille que vous allez parsemer à travers les monts et merveilles de madame. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a vu 5 tétons vernis. Mais c'est pas les tétons, c'est les doigts. Bon, comme ceci, est-ce que ça fait pas plaisir de recevoir du foie de volaille dans la culotte? Qu'est-ce que c'est que ça? La fourrée de Brocéliande. Voilà. Alors, ça le tout avec du sel noir et qui pique et qu'on peut appeler du poivre. Tiens, comme ceci. Voilà, petit nombril, on verra pas ton huître. Donc ça, ça ne veut rien dire. Évitez de mettre un œuf comme ceci. Retourne d'où tu viens. Voilà, ceci. Et voilà. Alors évidemment, pour un bon pâté de paysagiste en croûte, il faut apposer ses croûtes sur le body de la paysanne, qui est une paysagiste en fait depuis quelques minutes. Alors si vous n'avez pas de croûte, n'hésitez pas à appeler l'association Eczéma, Maladie de demain, Malakoff, boîte postale 1, comme ceci. Et Micheline, vous savez à qui vous me faites penser là? Vous ressemblez à la journaliste Croutel Krief. Je vous avais prévenu. Adieu. Oh là là. Oh, tu es belle. Tes joues sont plates. Elles sont plates comme... Comme ceci, tiens. Ah là là. Je porterai en Sologne. Je te pourrirai les seins avec de l'amiante. Ça vous est jamais arrivé, tombez-moi. Bien. Alors voilà. Et on enfourne la vieille pendant une minute à feu chaud. Et vous avez une minute à perdre. Eh bien, n'oubliez pas de vous en profiter pour vous laisser pousser les cheveux. Bon, madame, on se connaît. Non, 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 je suis ta fille. Ma fille, non, c'est pas vrai. Alors ça veut dire quoi? Que je t'ai accouché? Tu as traversé ma gare? Comment mon placenta? Non, 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 arrête. Bon, alors 30 secondes, il reste 30 secondes. En 30 secondes, un aliment qui est vert le matin, vert le midi et vert le soir. Une pomme verte. Non, mais oh, non, c'est même pas ça en plus, n'importe quoi. Aucun rapport, c'était une pomme verte. Une pomme verte qui a des verts. C'est mieux qu'une grand-mère qui pue du bleu. Ta gueule! Ça faisait un an que j'avais envie de dire. Voilà. Maman, oui, tu sais, la psychomotrice à l'école, elle m'a dit que j'avais des problèmes moteurs. Tu as des problèmes de moteur? Va donc chez Pidi. Pidi. Très bien, voilà. On désenfourne Marie et on la goûte comme ceci. Alors le pâté en croûte est cru. C'est dit. Ah, c'est délicieux, sans mentir. Franchement, j'adore. Non, c'est vrai, une bouchée de plus et je vomis. Alors, la semaine prochaine, je vous apprendrai la délicieuse recette. De acheter du flan. Acheter du flan. Et maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? De la maillot de bain.